Bienvenue dans ce deuxième épisode. On est quatre, encore une fois, face à cette caméra. Chaque fois que cette caméra va nous désigner, et on peut le voir avec ce petit laser. Ouh là, attention, ça brûle, je rigole. À chaque fois que cette caméra va nous désigner, on va devoir répondre à une question. Ça paraît facile. Sauf qu'on aura 5 secondes, ou en tout cas un temps limité. Et surtout que si on perd, voici ce qui se passe. Avoir juste le bruit, c'est génial, hein. Merci, merci, ramenez-moi. Si on perd, on est envoyé derrière et on va se faire friter par des friteurs et des friteuses professionnels. La chose la plus énervante de ce concept, si là je gagne sur une manche, c'est moi qui vais décider à qui je rajoute un ou une friteuse. Et ça, tout au long de la vidéo. Mais excuse-moi, Hibou. Oui. Qu'est-ce que je vois sur ton suite ? Rhino Shield ! Mais non ! Mais non ! Je les connais bien, ceux-là ! Crie, s'il te plaît, crie Rhino Shield, s'il te plaît. Envoyez-le. Rhino Shield ! Et oui, c'est Rhino Shield qui sponsorise cette vidéo. Et regardez-moi ça. C'est les nouvelles coques, mais celles-là, elles sont l'édition extrêmement limitée parce qu'elles sont au nombre de 5. Vu que c'est Kuzan qui l'a designée pour la team, tout simplement. C'est la coque Joy Squad, elle est officielle. Mais c'est pas tout. Hyper vitesse, s'il vous plaît. Pour cette fin d'année chez Rhino Shield, il y a trois nouveautés. La première, c'est les Aquasten que vous allez pouvoir personnaliser avec les designs dispo sur le site de Rhino Shield, comme One Piece par exemple, ou même votre propre design. Il y a aussi le Grip Miroir qui est compatible MagSafe et qui se met à l'arrière du téléphone, c'est bien pratique. Deuxième nouveauté, les nouvelles collections. Avec la première, Red Bull Racing, et la deuxième en collab avec l'OM. Troisième nouveauté, les nouveaux designs. Il y a deux collections avec de nouveaux designs, One Piece et PSG. Évidemment, je garde le meilleur pour la fin toujours, jusqu'au 5 janvier. Avec le code JOYKA, vous aurez moins 15% de réduction. Merci à Rhino Shield, passez de bonnes fêtes et on retourne à la vidéo. Let's go. Oh, c'était intense. Oh, c'était très intense. Tout est dispo dans la description. Et merci à Rhino Shield, on passe au concept. Ah, et si vous saviez pas, je suis en train d'essayer d'atteindre les 6 millions d'abonnés avant le 31 décembre. Donc si vous voulez m'aider, vous savez ce qu'il y a à faire. Allô. Dans cette manche-là, il y a plusieurs réponses qui sont possibles, évidemment, mais il y a un nombre de réponses limitées. C'est pas quelque chose qu'on peut inventer. Bon, allez, ça y est, on commence. Allez, on commence, vous m'avez saoulé. Allez, ça commence, j'en ai rien à foutre. Je ronfle. Première question, vous êtes à l'affût. Un nom de personnage de jeu vidéo. Lara Croft. Mario. Luigi. Batman. Nathan Drake. Sonic. Oh, bâtard, c'était le mien. Superman. Le laser, il est hésitant. Zelda. Link. Peach. Non, Mario. Steve. Minecraft. Quoi, si, Minecraft. Ah, oui, Bowser. Ouais, bah, fais tout Mario aussi, non? Luigi. Bon, ah, déjà dit. Oui, déjà dit. Oh non. non. Pitié, pas déjà. Daisy. Non, Mario. Okay. On fait tous les Mario Kart, ok? S'il vous plaît. Yoshi. Non, il s'y met. Bah oui. Ah non, mais je sais plus, moi. Le prochain Mario, ça dégage. Hein. Oh non. Ah oui, vite, Hibou. Mathieu, vite. What will you do? Ah yes. Oui. Aïe. Jordan. Oui. Il y a un bouton rouge devant toi. Non, il est plus à gauche. C'est bouton rouge. C'est devant rouge. Ah, c'est bon, je l'ai trouvé. Okay. C'est très désagréable. Et vous savez ce qui est marrant? C'est que là, du coup, vous avez eu une frite chacun. Et vu que j'ai gagné, je vais pouvoir en donner une. À qui donnes-tu ta frite, Jordan? À Mathieu. Oh, c'est là que la guerre commence. J'ai essayé de esquiver le regard, j'avais peur. Mathieu, deux frites. Pas de problème. Bientôt, tu pourras faire un cornet. Bon, c'est une question spéciale pour Mathieu, hein. Il est un peu avantagé. Quoi? Bah... Oui, c'est comme ça. Le pauvre, il est super gentil depuis le début, alors que vous êtes horrible. Quoi? Un nom de fromage. Oh. La tome? Du Comté. Parmesan. Le Saint-Nectaire. Le Brie. J'allais le dire. Quoi? C'est déjà dit. Je sais pas si c'est déjà dit parmesan. Ah! Mamma mia. L'osso irati. Comment? L'osso irati. Saint-Marcelin. Le Maroilles. Le Cantal. Cher. Bâtard, sale bâtard. Saint-Félicien. J'avais tellement de fromage à donner. La tome de Savoie. J'ai dit la tome déjà. Rejoins-moi. Le bâtard. Le Beaufort. Okay. Putain, il est trop fort. Le Roquefort. Ouais. Fils de pute. Jordan, les mentales. C'est déjà dit, c'est pas un fromage. Mathieu, vite. Le... Non. Let's go. Il l'a déjà dit. J'ai pas entendu, je m'en bats les couilles. Hey, tiens. Il sort un billet. Prends les sous. T'as
vrai, mon enfoiré. C'est le premier mot qu'on a dit, c'était mental. Non, c'était Tom. Tu dis n'importe quoi, Mathieu. Okay. Tu remets en cause l'arbitre, là? Au chiottes, l'arbitre. Tintin, t'es le meilleur chargé de production. Écoute-toi, tu vas prendre une frite déjà. T'en as deux. J'en ai une. J'en ai qu'une seule. On est prêt? Question d'après. Et fais pas le mariole, hein. Un pays du monde avec un A dans son nom. Allemagne. Espagne. Oh putain. T'as mis tant de temps. Algérie. France. Kenya. Maroc. Algérie. Oh, j'ai déjà dit Zimbabwe. Argentine. C'est passé. Mais pourquoi moi ça marche pas dans cette année? Le Listembourg, mais avec un A. Mais quoi, Finlande. Finlande, ok, c'est bon. Putain de sa mère, j'ai rien. J'ai rien. Voilà. J'ai aucune culture, merde. Pays-Bas. Les gars, il y avait Pays-Bas. Dis-en d'autres là. Oui, j'ai quoi d'autre déjà? Attends. Hibou, putain. Japon, il y avait Japon. Angleterre. Ils sont bêtes. Quand ils sont deux, c'est horrible. Je donne une frite? Oui, tu donnes une frite à quelqu'un. À toi. Mais je pense que t'as du mal formuler ta... Non, c'est bien à toi que je la donne. Ouais, je crois que c'est vraiment en toi, ouais. C'est pour booster mon ego, je suis le seul à une frite, du coup. Les amis, on n'est pas tes potes. Oh, tu me le pointes trois fois d'affilée, d'accord? Ouais, vas-y, non mais ça va aussi. Ouais. Le laser part en couille, il est en train de tuer l'équipe technique. Une expression de la langue française. Ouais, mec. Oh, mais il y en a tellement. Mec, j'ai rien, c'est trop grave. Non, les gars. Non, mais c'est trop grave. C'est impossible. Ça va être toute la game, ça va être horrible. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Mieux vaut deux fois qu'une. Répète. Mieux vaut deux fois qu'une. Allez, mais quoi? Mais gars, quelle heure? Mais quoi? La vie est un long fleuve tranquille qui ne. Citation. Pitié, non, ça dure deux ans. Aïe. Ah. Mets-le-moi, fous-le-moi sur la gueule le laser. Le cul bordé de nouilles, ça casse pas trois pattes à un canard. Aïe. Est-ce que je vous ai parlé de la gourde Rhinoshield? Ah, pitié, mais pitié. Allez, c'est bon. C'est trop peu. Faut qu'on discute. Oh, mieux vaut deux fois qu'une. Non, t'as pas dit ça. Mieux faut deux fois qu'une. Mieux vaut deux fois que l'une. Mieux faut une fois. Au chalet. Une référence. Il y a la rêve bresson. Ce que je crois comprendre, c'est que là, j'ai encore une fois excellemment gagné. Donc je vais pouvoir distribuer une frite à Hibou, évidemment. Donc on est tous à deux frites. Est-ce que vous êtes prêts pour la prochaine question? Oui, ouais. Mais pitié, un peu plus dur, non? Laurence, c'est à vous. Un mot qui finit en sion. Attention. Ascension. Préparation. Objection. Pénétration. Oh. Finition. Terminaison. Bah, excusez-moi. Bah oui, tu suis fort. Conjugaison. Champion. Ah merde. Mais c'est pour vous que j'ai fait ça. Putain. Mission. Non mais ils sont faux parce que tu sais qu'ils ont essayé de m'avoir. Oh, ça se voit, il est pas attentif. Oh, ça passe. Ils ont essayé de gruger. Non mais je les ai vus. Hein. Vous êtes très fort, monsieur l'arbitre, vous êtes très fort. Il me plante avec la frite. Qu'est-ce que je dois faire déjà? Le bouton rouge devant toi. J'appuie dans le doute, hein, mais... Oh, moi, y'a quelqu'un... Excusez-moi, vous avez une tête de quelqu'un qui revient de soirée et qui a mal au crâne. On peut passer un message au friteur, parce que les miens, ils ont des rhinofrites, là. Ouais, mais... Moi, je tiens juste à dire qu'ils ont débloqué une nouvelle technique qui consiste à planter la frite dans le corps. Alerte. Je donne ma frite à Kuzan. Ah, sale bâtard. Moi, j'ai sympathisé avec mes friteurs parce qu'on se voit tout le temps. Je suis à deux doigts de choke juste pour aller les voir, là. Bah, on met tout sur Kuzan, du coup, Prochaine question. Laurence. Laurence, ça rime brocoli, c'est comme un brocoli. C'est pas un légume. Voilà, je suis outré. Hein. La manche 2, elle est simple. Laurence va dire un mot. C'est pas Laurence. Ça me fait rire, vraiment, chaque fois. Laurent, il va falloir trouver un mot en rapport avec le mot que Laurence a dit. Admettons. Chaise. Chaise. Table. Table. Non, excuse-moi. Avec moi, table. Pied. Pied. Chaussure. Bon, c'est un mot en lien, pas de nom propre. Tabouret. S'asseoir. Non, ça commence très mal. J'accepte, c'est le premier, j'accepte, allez. Fesse. Trou du cul. Non, alors là, merde, ok. Quoi? C'est huit mots. Non, mais c'est vrai, je suis trop con. Putain, mais je suis trop con. Culotte. Vêtement. Aïe. Veste. Oh non. Cuir. Ok. Vache. Lait. Seau. Conteneur. Bateau. Il est bon. Terre. Brûlé. Oui, enchaîne.
Au vent. Oui, bah il va me faire toute la musique, ça va. Ah, je regrette rien. Cheminée. Fumée. Cigarette. J'ai chanté le codé marin. Cancer. Il plante. Ah, il plante. Oui, il plante. Maintenant, il plante. Il plante comme avec un poignard. Bah. Maladie. Ah, laissez le papier rentrer dans l'oreille. Dépêchez-vous de perdre. Let's go, voilà. Voilà, maintenant. T'as plus qu'à appuyer, c'est fini. Ah, j'appuierai pas. Tapez plus fort, les gars, tapez plus fort, les friteurs. Appuie. On voit de moins en moins tes yeux. Et ça a pris une frite, ça m'a englobé les bras comme ça. Et il y avait deux autres qui tapaient, mais c'est une dinguerie comme ils se mettent d'accord et tout en plus. Et ça me disait, alors, et comme ça, elle est mieux cette technique? Et moi ils ont dit, alors enculé, c'est bon, sale merde. Ils m'ont dit ça moi. Alors par contre les amis, les réponses composées de 8 mots différents. Oui, pas droit de chanter les chansons aussi apparemment. Hibou, tu prends ta frite. Je vais finir avec une barquette de frites. Ah bah 3, égalité partout là. Ouais c'est ça, c'est pour qu'on soit tous partout, sur le même pied. Focus quelqu'un, moi je pense. Comment? Hein, rien. Je focus Kuzan, moi, je pense. J'entends. Je vais tout mettre sur Kuzan. Ah, nickel, on est deux, tu vois. Bah non, mais c'est super. Non, mais regarde, il a envie de nuire. C'est une super idée. On y va pour le deuxième mot. Pour les grenichons. Qu'est-ce qu'il dit encore, ce zigoto, là? Rien, madame Laurence. Lettre. Courrier. Oui, bon, ça va, il se pas. T'as dit mot comme si c'était une dinguerie. Eh, ta gueule. Enveloppe. Message. SMS. Téléphone. Attention, hein. Attention, attention. iPhone. C'est... Ouais... Non, ça, non mais les gars, c'est pas tout à fait un nom propre, c'est comme une marque. Apple. Mais Laurence, merde, Laurence. J'ai pas entendu, on en est où? Apple, Apple. Apple. Bah... C'était pour toi. Ah, pomme. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font, mes friteurs? Fruits. Viens, on chill un peu, Mathieu. Banane. Mathieu. Je gagne sur banane. Banane. Je me suis fait avoir par une banane. Mais qu'est-ce qu'ils me font? C'est quoi ce bruit que j'entends là? Excuse-moi, mais ils ont l'air de souffrir un peu là. Faut peut-être j'appuie là. Ouais. Ah! Allez, je vous ramène. Putain, tu m'as eu avec une banane. Je te l'ai avec une banane et en plus je te donne une frite. Bien envoyé. Merci. Kuzan perd parce qu'il dit un nom propre. Tu fais exactement la même juste après. Je t'emmerde, Laurence. On dirait une réplique de film. Est-ce qu'on passerait pas au mot d'après? Tu vas voir après le tournage, toi. Ouais, on sait où t'habites, hein. La prochaine personne qui gagne a le droit de donner 2 frites, voilà. C'est... Oh, voilà. Le mot, c'est clown. Rire. Bouche. Corps humain. Bah. Mais dis plus de mots encore. Bah, c'est le corps humain, y a pas non plus... Pied. Bouche, pied. Pied. Ouais, ça dit. Bouche, pied. Chaussure. Lacet. Chaussure. Encore. Mais putain, non. C'est une folie de faire ça, vraiment. C'est... Lacet, corde. Escalade. Mine. Explosion. Feu. Allumette. Bois. Planche. Mer. Salé. Oh, c'est long. Oh là là, on s'endort pour la vidéo. Non, 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 s'il vous plaît, non. Hibou, plus vite. Ils sont beaucoup, là. Vous allez bien? Faut pas que je regarde Hibou dans les yeux, sinon il va me focus. Vous voulez pas que j'appuie? Appuie, appuie, appuie. Ah, vous voulez que j'appuie? Ok, pardon. Double frite. J'ai 2 frites à donner. Kuzan. Oh, sale bâtard, j'en étais sûr. T'es vraiment une merde. C'est pas grave, mon bébou, en vrai, c'est que des frites. Hein. Ouais, bah, c'est un peu désagréable, quand même. Coucou. Ta gueule, Hibou, me parle pas. Alors là, la dinguerie de dire 2 fois chaussures, c'est exceptionnel. Je pense qu'on peut passer à la 3e manche, qui, personnellement, est ma préférée. On va devoir faire appel à la créativité. Un restaurant où il n'y a que des moules. Comment il s'appellerait? Moule moule. Restaurant de moules. Only moule. Vous vous dites, ouais, c'est facile, il y a sans limite et tout. On peut te choke très vite. Premier thème. La pire chose à faire quand on emménage dans un nouvel appartement. Faire caca par terre. C'est ce que j'allais dire. Allez, j'ai rien d'autre que faire chier, que chier par terre. Planter un arbre dans le salon. Lécher le sol. Oublier ses meubles dans la rue. Oh, elle est belle cette table. Allez, réfléchis. Le truc le plus improbable possible. Dormir par terre. Non, merde, je suis trop con. Creuser un tunnel. C'est un peu... Allez. Plus adapté, le meilleur. Retire bien ce que t'as dit. Je vais juste répondre à un message, vite fait. Ça tape dans les genoux. Check, pour la prochaine mini, je te fais des retours. Ok, attends, mais je vais regarder les... Ah ouais. Suzanne, j'adore tes concepts. Ouais, j'attends que ça charge, là, les gars. Alors, les nazes.
juste faire caca par terre. J'avais soit ça, soit repeindre les murs avec mon caca. Bah oui, ouais. Bah si on va là-dedans, Laurence, on ne s'arrête plus. À qui donnes-tu cette frite? À Jordan. Ah, c'est marrant ça. Oui, bah tu m'en as mis une tout à l'heure, je me suis jamais vengé. Tu fais bien. Et toi aussi, j'ai t'avoir, je t'ai pas oublié. Une marque de prêt-à-porter qui ne marchera jamais. Merguez sap. Bien. Sap qui pue. Oh, ça marchera pas ça. Qui habille pas? Qui habille pas? Ah non. Ah, Transpishop. Naz Shop. Gucci mais avec CH. Mais quoi? C'est... Mais c'était bon. Je pensais que ça passait. Le nul, le naze. Oh non, c'est encore Cuisotte qui a gagné, il va me mettre sa frite. Non mais là, pitié, c'était super facile. Non mais c'est incroyable. Je suis à l'aise de ouf, moi. J'étais gentil, je vous ai pas trop laissé, les gars. Oh, j'avais aucune inspi pour ça, moi. Oui, j'ai entendu, puisque t'as dit ça. Et en même temps, si un truc s'appelait comme ça... Ça me donne envie d'acheter, donc ça marchait pas. Ah. Non, tu l'as énervé. Les gars, non, non mais les gars, mais j'ai rien fait. On a sa mère. Ah, c'est un hibou. T'en as 5 maintenant. Prochain thème, la pire musique pour un enterrement. Ce soir en ville, il y a de la chatte. Fais tourner les serviettes, je vais faire tourner les serviettes. Oui. La kiffance de Naps. Oui. C'est la fête. Il est où le corps? Oh non! I will survive! Parce qu'il est mort. Allez les gros de NASA et Marwa Loud. Je suis en vie. Le petit bonhomme en mousse. La vie en rose, salut. OVNI de Jules. Mais non, mais quoi? Soirée disco, mais il y avait également aussi Bébé Lily, il y avait aussi Crazy Frog. Ça fait énormément de frites, je trouve. Ah, ils sont efficaces, les gars, ça va, oui. Le bouton. Allô, oui, c'est qui? C'est la victoire. Ça tombe bien parce que je viens de gagner. Enfin bref, je vais juste faire une petite story quand même, Laurence. Ah les gars, non, mais si vous voulez, je vous donne de l'argent. Ah, Jordan, dépêche-toi, pitié. Les amis, n'hésitez pas à venir voir cette vidéo, elle vient de sortir et ça vaut le coup, je crois. Eh, on le fait tenir 5 minutes sous les frites la prochaine. Oui, mais regardez, j'ai fait une super story. Ah, ça va, ok. C'était très long. Tu te rends pas compte, il y a 3 personnes qui veulent se venger sur toi, là. Je vais donner ma frite à Mathieu. 3 personnes ennemies qui veulent se venger maintenant, ça compte pour un ennemi là. Je tiens à dire qu'il y en a certains, ils ont de la chance, parce que je peux dire quand même que les friteurs d'Hibou... Ah, ils envoient sa mère. J'ai bien envie que pour la prochaine, il y ait 2 frites à gagner. Le pire cadeau à offrir à un nouveau-né. Une tronçonneuse. Une AK-47. En vrai, pas top. Une bouteille de whisky, 50 ans d'âge. Oh, marteau, elle est horrible. Un autre bébé. Un paquet de chewing-gum. Une bague de fiançailles. Un pot de Javel. Une coque Rhinoshield. Mais par contre, à votre entourage, vous... Mais non, mais putain, je me sentais si bien. Un couteau. Prenez votre temps, les gars. Ils y vont fort, là. Un pistolet. Un lance-flamme. Une hache. Un pack de grenades. Pack de bière. Je suis parti, je sais pas pourquoi, qu'est-ce que... Un parachute. Un parapente. On accélère, Mathieu, vite. Une de l'alcool, Mais tu manges les frites, là. Il mange les frites. C'est génial, hein. Vas-y, fais durer, Cusan, fais durer. S'il te plaît, grand maître, dis-le. Non mais t'es au courant qu'on entend pas ce que tu dis. Grand maître Cusan, s'il te plaît. Non, attends pas, désolé. Bon. Tant pis. Merci grand maître Cusan. Avec plaisir. J'ai pas pu m'empêcher, Laurent, j'ai mangé les frites. Vous avez mangé une frite? Oui. Donc n'hésitez pas à offrir des coques Rhinoshield à des nouveau-nés, c'est vrai que c'est super bien comme cadeau. Bah oui, avec leur mini téléphone. On peut faire un récap des frites juste pour savoir où je me situe un peu. 5, 4, 4, 5. Putain, Mathieu, il pourrait mériter des frites. Ouais, mais toi aussi, parce que vous avez le même chiffre, du coup vous avez fait un chifoumi. Là, il y a des chances qu'ils se tapent entre eux, du coup. Moi, je devrais pas le dire, mais il y avait une frite qui m'en serrait comme ça. Ça me serait de bouclier. On peut s'en faire une petite dernière parce qu'on est des petits rigolos. Et le principe, c'est que celui qui gagne choisit la personne qui va se faire friter par tous les friteurs jusqu'à la fin de la vidéo. C'est marrant, ça, quand même, non? Si c'est moi, Laurent, je vais faire l'outro dans des conditions extrêmes. Bah oui, bah c'est pas mon problème. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, Laurence. Quelque chose à ne pas faire en cours de SVT. Boire ce qu'il y a dans les fioles colorées, là. Pas ouf, en vrai. Pisser dans l'évier.
Disséquer une grenouille C'est littéralement un cours de SVT, pitié. Parler d'histoire géographie. Bah faire ses exercices de maths. Tabasser le prof et faire cours à sa place. Appeler l'Elysée. Se branler. Se lever et dire c'est ciao. Se lever et faire une danse Fortnite. Il m'a piqué se lever, mais bref. Ouais. Quoi, mais quoi, mais manger quoi un chewing-gum. Mais ce n'est pas du tout approprié. C'est pas bien. Manger un chewing-gum en cours. Yes. Oui. Oui. Bien joué, monsieur Joyka. Oui, Laurent, je peux me détacher de ce fardeau. Tous mes profs m'ont dit que manger un chewing-gum, c'était pas bien. Vous avez bien vu, les friteurs. Ils trichent de ouf. Très belle manche. Merci. Une belle manche. Super manche. Du coup, faire une danse Fortnite en cours, normal. C'est du plagiat, vous m'excuserez. C'est du plagiat. Se lever et faire ça, se lever et faire ça. Ah ouais, ok, d'accord. C'est inventer des règles au fur et à mesure, non, mais y a pas de galère. Donc là, il faut choisir, mais je propose que tu juste me le siffles dans l'oreille. Je vais brainstormer. Ça marche, patron. Vous allez activer vous-même. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Merci infiniment à RhinoShield de l'avoir sponsorisé. Il y a une personne qui devait perdre. 30 personnes qui vont friter cette personne en question. Et ça fait beaucoup de personnes. Je laisse la chaise révéler qui est cette personne. Oh, le titre. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle. Passez un bon Noël.